Bonjour, 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 bonjour. Comment que ça va aujourd'hui? Mes cheveux, c'est n'importe quoi, hein. Je vais retirer ce casque tout de suite. Salut Léa! Bon courage pour tout ce que tu as à faire. C'est le temps qu'elle parle pas de le chaton. Non, elle était là, mais parce que je me suis levée. Elle était au-dessus de ma chaise, mais je me suis levée pour aller me chercher une barre et du smoothie. Et du coup, elle s'est barrée. Et je sais pas où elle est partie. Mais elle était adorable ce matin. Waouh, trop d'honneur d'avoir été l'inspiration de ce titre. Ouais, j'ai juste rajouté le pilou pilou. J'ai mis Stardew Valley en jeu, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire ce matin. Donc, on peut soit faire un nouveau jeu, soit faire des Sims, soit faire Stardew Valley. C'est comme vous le voulez. C'est comme vous le voulez. J'ai un peu la tête dans le cul par contre. Mais je peux pas prendre de café tant que j'ai le seum. Hey, j'adore les lives matinaux, merci! Moi aussi, c'est mes préférés. Stardew Valley, Sims. Ouh, salut une autre choupie, la musique. Oui, bah la musique, c'est du Stardew Valley. C'était... Je vais vous noter le titre dans le chat. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. C'est une musique de la saison été. Hop. Ah! Je suis perdue. Voilà. Voilà. Ça, c'est la musique. Hello, je me réveille doucement. Salut, Almist. Vive l'écran noir, oui. En attendant, c'est l'écran noir. Pourquoi pas Sims, mais fais comme tu veux. Nous, on aime tout. Moi, j'ai vraiment aucune préférence en vrai. Entre Stardew Valley et les Sims, j'aime les deux. Les deux sont assez chill. Les Sims, ça dépend. Quand tu te réveilles et que tu vois les notifs du live. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez autant le matin. Surtout un matin de jour férié. Bientôt, je vais commencer mes lives à 6h du matin. Pourquoi pas faire des ranks d'Overwatch au réveil? J'avoue. C'est quel Sim? C'est Sims 4. Pourquoi il y a un Paul? Ah ben moi je vais pas voter du coup. Ah je peux pas. Ah si je peux voir les résultats. Waouh, c'est trop Paul. Magique. Pour l'instant c'est Stardew Valley qui gagne. Stardew Valley je connais pas. Pourtant c'est un jeu adorable. Pas de jour férié en Belgique. Ah. Moi, je stream alors qu'en vrai, j'ai pas mal de choses à faire. Je pars en vacances demain et mon appart ressemble à rien. Ça me motivera pour me réveiller plus tôt et donc bosser plus tôt. En vrai, non, 10h, c'est bien parce que même si je me lève très tôt, en général, j'émerge vraiment vers 9-10h. Puis le temps de prendre une douche, tout ça. Ah, ça se resserre entre... C'est 43% pour 43%. Ah, 44 pour Stardew Valley et les Sims. Si vous voulez savoir ce que j'ai en autre jeu, peut-être que ça peut changer les votes. Je vais aller voir ça. J'ai... Donc Emily is Away, on l'a déjà fait. J'ai Gone Home. Qui est un jeu. J'ai pas la description des jeux sous les yeux, donc c'est un peu con. Her Story. Orwell. Unholy Heights. We Need to Go Deeper. Non, ça c'est du multijoueur local. Et What Remains of Edith Finch, qu'on m'a dit qu'il était très très bien. Donc j'ai tous ces jeux-là. Pour l'instant, c'est Stardew Valley qui gagne.
Donc je sais pas trop quand arrêter le vote, mais... On est 47, ouh! Merci Sweep pour le follow. Ah merde, j'ai fermé totalement le Stropole, du coup je le vois plus, c'est trop bien. Donc c'est Stardew Valley qui gagne pour l'instant. Ok. Tu penses quoi des Sims 4? Perso, je trouve les Sims pot de colle. Pot de colle, dans quel sens? Arrête le vote quand les Sims passent devant. Ah là, non, là c'est 41-41, sérieusement. Vous êtes 22 à voter, vous êtes 47 sur le stream. Hein. Ça va pas, ça. Je comprends les abstentionnistes, mais quand même. Après, on a le temps, hein. On peut y aller doucement. Merci, The Salty Lady, pour le follow. Par exemple, pour manger, mon Sims va aller dans la salle de bain pendant que l'autre prend son bain. Ah ! Mais parce qu'ils aiment bien discuter ensemble quand ils mangent, ouais, c'est vrai. Même quand c'est un peu dérangeant. Je sais pas si je garde les lunettes ou pas. J'ai un peu la... En fait, vu que mon écran est très proche de moi, ça me fait un peu mal aux yeux, ça. Mais si c'est trop gênant, je les retirerai. On en est où, là? Ouh, les Sims sont repassés devant. Moi aussi, je vais manger mes sablés dans la salle de bain comme on a mes sous la douche. Chaque jour est une nouvelle trahison. 27 votes sur 57 personnes. Je sais pas quand j'arrête. J'arrête quand il y a... Je sais pas. En vrai, j'ai le temps, là. Je suis pas pressée de commencer à jouer. Ou alors on regarde une série. On peut pas faire ça en live, malheureusement. Merci Antoine pour le follow. On arrête à 30 votes. Ça changera pas. Ce sera toujours les Sims qui gagneront, alors. J'ai une notification. Pas de livraison. Aujourd'hui, c'est férié. Tu veux tes pancakes, tu ramènes tes fesses. Non, on m'a dit que ça dérangeait le reflet. Je remercie le Discord de Gus pour avoir su que tu faisais des lives. Le Discord de Gus? Ah oui, du coup ça s'affiche quand on fait un live sur Discord, ok. Parce que moi, mon bot a toujours pas annoncé que j'étais en live. Hein. Je sais pas ce qu'il fout aujourd'hui, mais je vais aller l'engueuler. On arrête à 10h15. Ok, moi ça me va, c'est dans 2 minutes, c'est bon. N'oubliez pas de voter, rebalancez le lien du Stropole pour les gens qui arrivent, vu qu'on est 58 maintenant. Ça, j'ai cru qu'il y avait un Discord qui avait disparu. Gaz, il vient jamais sur mes lives, il est trop méchant. Salut Junkie! Salut les copains, tout le monde, regardez. Ah oui, du coup, faut que je fasse la différence entre Junkie et Junkie Cakes et Junkie Freud. Ah bah, ouais, non, moi je regarde pas tellement le. Ah bah voilà, Bibot s'est réveillé sur mon Discord. Il y a un Discord du stream. Hop. Voilà, tu peux rejoindre le Discord. Non, moi j'ai jamais vraiment regardé le défilé, je trouve ça un peu chiant. Il reste 1 minute pour voter. En tout cas, chez moi, je suis à 14. Il reste 15 secondes. 15 secondes! Vite! J'ai coché les 3 pour bien faire avancer le résultat.
c'est fini, c'est fini. Et c'est Stardew Valley qui gagne à 43% versus 41%. À un vote près. À un vote près. Donc c'est parti pour Stardew Valley. En plus, on va avoir des musiques adorables. Je sais juste plus où j'en étais. Stardew Valley. Merci EDP pour le follow. Stardew Valley. J'espère que le son du jeu va pas être trop fort. Non, c'est bon, il a gardé. Pourquoi j'ai pas les alertes ouvertes? Ah, voilà. Ah oui, hier, je sais pas si une personne qui s'appelle Giovanneki est là aujourd'hui ou pas. Parce que j'ai remarqué que je n'avais pas fait gaffe à son sub hier ou avant-hier pendant le live. J'étais tellement perturbée par Ban Ban. Ou Ban Ban, je sais déjà plus. Ah non, ça y est, je sais plus. Enfin bref, et du coup, j'avais pas vu qu'il y avait une alerte sub. Du coup, je m'en veux un peu. Donc si jamais cette personne passe par ce stream, j'ai cru qu'il avait planté le jeu. Si jamais cette personne passe par ce stream, je la remercie. Oh bah gentil Théo. Ah oui, j'ai fait beaucoup de... beaucoup de parties. Il me semble qu'on est, on est cette personne. Non? Non, on est cette personne. Vodka la Land Farm. Ouh, il y a une partie où je suis très riche. Tu joues souvent à Overwatch, oui? C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait en live, mais parce que j'ai l'impression que les gens aiment pas trop regarder. Ok, jour 4. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Ah merde, j'ai oublié. Est-ce que vous voulez que je mette le patch français? Du coup, faut que je le trouve d'abord. Attendez, si je quitte maintenant, du coup, ça ne voudra pas sauvegarder. Le patch français. Où est-ce que je peux le trouver sur Steam? Comme ça, j'aurai moins la flemme de faire les traductions. Merci, Olive, pour le follow. Je t'envoie le lien. Ok, merci. Alors, normalement, le bot ne bloque pas les liens. Sauf si vous en abusez. Tu rateras forcément des subs un jour, t'en veux pas pour ça. Mais oui, mais normalement, en plus, il y a une musique et tout. Il y a une image de Dharma qui apparaît. Enfin, je me suis fait chier à faire des alertes. Il y a pas de lien. Ah, sur Discord, très bien. En général. Ouh, bienvenue au nouveau sur le Discord. Hop. Ah ben, ça fiche pas sur le bon. Traduction, Stardew Valley en français. Télécharger la traduction. Oui, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Ah, il faut un compte Dropbox. Je sais plus c'est quoi mon compte Dropbox. Non, pas obligé. Bah si, il me demande. Ah non, ok, maintenant c'est bon. Je suis con. téléchargement. Ta housse de couette.
Télécharger la traduction. Copier le contenu de l'archive. Oh là là, c'est compliqué à faire. Le matin, j'aime pas faire des trucs comme ça le matin. Ça me saoule en général. Alors. Je suis désolée, c'est la partie la moins intéressante. Est-ce qu'au moins on peut avoir la musique? Oh, on n'a même pas de musique pour en attendant. N'oublie pas de fermer le jeu. Faut fermer le jeu pour que ça marche. Bah attendez, en attendant, je vous mets une petite musique du coup. Une autre petite musique de Stardew Valley. Hop. Le temps que je fasse ça, parce que ça va être chiant. J'aurais dû faire ça avant. Je suis désolée. Du coup, je suis perdue avec tous mes onglets en plus. Le coca, ça marche très bien pour la gueule de bois parce que c'est une boisson sucrée. Et avec des bulles, donc ça fait travailler ton estomac. C'est encore mieux si t'as vomi du coup le coca. Non, beaucoup d'eau, hein, forcément. Le son est super fort là, je baisse un peu la musique. Pardon, c'était pas le son du jeu, c'est le son de la musique sur YouTube. Je suis désolée. Je suis pas très bien réveillée. Et j'ai toujours pas fini ma connerie, moi. Il faut déjà que je trouve le répertoire de mon jeu et. Et ça c'est pas facile. Steam. Non. Je Steam. Ah, j'ai trouvé. Ok. Ok, je crois qu'on est bon. Ok, on va couper la musique là. Ah. Alors la vidéo dans ton corps, il rassemble toutes les meilleures techniques en une vidéo de 5 minutes. D'où? Bon après, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est quand même... Voilà, on a le jeu en français. Ah, c'est trop bizarre. Mais je m'en sors, c'est bon. J'ai juste eu trop de mal. Merci en tout cas pour le lien. Après moi, ça me dérange pas de jouer en anglais, c'est juste que de vous faire la traduction, c'est vraiment relou. Tous mes persos se ressemblent. Hein. Notez les noms des fermes. Beau sourire, Bidurmou à Midouland. Que des noms plutôt adorables. Oh, plus besoin de traduire. Combien il coûte déjà le sac à dos? Comment tu sais que j'ai autant d'argent? Je m'en rappelais pas. Putain, j'aimerais tellement avoir celui en cuivre. Merde! Arrête de gâcher de l'énergie, Laurine. Oh oh. Voilà. 2000 le sac à dos. Ouh. On n'est pas près de l'avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme quête?
chaud devant, fabrique un four. Ça, je crois. Il nous faut 20 minerais de cuivre et 25 de pierre. Combien on a de pierre? On a 21 de pierre. Je crois que ma vie sociale va en prendre un coup. T'inquiète, quand j'ai découvert Stardew Valley, je ne parlais plus à personne. Je ne sortais plus. Je ne faisais que jouer à Stardew Valley. Ouh, les pierres. Ah! Ustensile préhistorique. Quelque chose qu'on va pouvoir donner au musée, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser par ici? Non? Je me tiens extrêmement mal, hein. Je suis très bossue. On va aller peut-être du coup faire un tour dans les mines, on va juste aller voir voilà, s'il y a des annonces. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un déjà? Non. Pour les filles seulement, j'ai besoin d'un topaze. Vous savez pourquoi? Gardez-le pour vous, d'accord? Hayley. On accepte, on s'en fout, de toute façon on doit aller dans la mine aujourd'hui. Le tailleur de pierre ne peut pas récupérer des minerais. Dans les géodes, si. J'aurais peut-être dû me débarrasser de la cuillère préhistorique du coup avant. Je me demandais si tu venais sur des conventions, si tu faisais des rencontres abonnées. Ah, pas du tout. Avant, j'allais dans des conventions, mais en tant que visiteur. Ah, pourquoi je... Je peux pas encore accéder à la mine, sérieusement? Comment je suis censée les trouver? Comment je suis censée trouver autant de cuivre? Oula! J'ai mon jeu qui a lagué, je sais pas si vous avez vu. Y'a pas quelqu'un qui voulait un poireau? C'est le quatrième jour, Bino, tu peux pas accéder à la mine, merde! Je suis tellement plus habituée au début. Ma voix pète un câble. C'est quoi qu'elle veut? Un topaz? Bah oui, mais du coup, j'aurai jamais le topaz. C'est comme Animal Crossing en fait. Un peu. Ça a été fait par un seul gars. Non, Derma. J'ai un petit chat qui veut marcher sur mon. Ah, voilà. Je voulais dire bonjour aux gens qui étaient ici. Tu as déjà fait la connaissance de tout le monde en ville, ça doit être épuisant. Non, j'ai pas fait la connaissance de tout le monde. Il me manque ton mec là. Où est-ce qu'il est? Je viens de m'acheter le jeu. Il est en solde. Ah, il est là! Pourquoi j'ai plus les alertes? Merci Casback pour le follow. Ah, mais non, j'ai arrosé. Sébastien, il est cute. Sébastien, il est cute. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mignon. Un peu torturé quand même. Jamais la gueule de bois, moi. Tu as bien de la chance. Non, je vais pas mettre ça, sinon je verrai plus rien. Je vais mettre ça là. Salutations, je suis Démétrius, scientifique et père avant tout, ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, parce qu'il est adorable ce mec. J'étudie les plantes locales et les animaux dans mon laboratoire personnel. J'ai déjà croisé Marou, ma fille, elle aimerait te rencontrer. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple en français. Salut Tornek. Il t'arrive de jouer Overwatch avec des personnes sur le Discord? Ça m'arrive de temps en temps. Mais en général, je joue toujours avec des potes ou quoi. On va dire bonjour à Linus pour augmenter. Ah, ok, il a pas trop envie de parler. Très bien. Donc ça, c'est les totems de téléportation. Mais je les ai pas encore activés, forcément. Ouh, petit Zouziou. Qui c'est qui nous manque? Si c'est pas le sorcier. Parce que là, il nous manque une personne, du coup. Bon, le topaz, on l'aura pas.
Oh, je peux pas rester, ma co supporte pas un double stream. Si vous voulez, je reviendrai voir les. Si vous voulez, je reviendrai vous donner les résultats des rogues. Ok, Kaldord. Kaldord. Pardon. Pas de soucis. J'ai regardé un petit peu vite fait le match hier, mais. Mais je comprenais pas tout. Ok. Ok. 27, donc il m'en manque bien une. Ça va être le plus chiant. Ça va être trouver la dernière personne. Et j'arrive pas à me rappeler qui est-ce que je n'ai pas vu. Pam, je l'ai vu. Bla, j'ai trop bu de bière là. Trop bu de bière au salon de la nuit dernière, va-t'en. L'air commence à se réchauffer. Oh, c'est un summer fag. Ah, c'est elle que j'ai. C'est pas celle qui vit aussi ici que j'ai pas trouvé. Démétrius est devenu mon meilleur pote sans vouloir à force de remplir des missions pour lui. C'est ça, il a tellement de missions à chaque fois. C'est trop cool. J'en reviens toujours pas que j'ai réussi ma L1. Ma félicitations. Hein. Encore une fois. Qui c'est à qui j'ai pas dit bonjour? Parce que. Oh! Petite cinématique. Pitoyable, Gunther. Pas une seule pièce dans toute ma collection. Qu'est-ce que vous avez? Si vous entendez du bruit, c'est Dharma qui joue avec tous mes médicaments. Vous avez trouvé quelque chose? Laissez-moi voir. Ah oui, c'est pour ma cuillère préhistorique. Fantastique! C'est très ancien. J'adorerais l'étudier plus en détail, mais c'est à vous. J'ai un service à vous demander. Envisagez-vous de faire des dons? De faire don des artefacts et des minéraux que vous trouverez. Ensemble, nous pourrions faire une découverte historique. Et qui sait, si vous faites suffisamment de dons, je pourrais trouver quelques objets intéressants à vous envoyer en retour. Alors non, c'est des objets qui sont super moches, mais c'est pas grave. Réfléchissez-y, voulez-vous? Pour effectuer une donation, veuillez m'en informer à la réception. Ok, bro. Dharma is not playing médicament. Oula, j'ai hâte de frapper ça. Ok. Donnez au musée. Oh, voilà. Pas vraiment d'ordre où je range les trucs. C'est pas un enfant qui nous manque en plus, je suis sûre. Je suis sûre que c'est une connerie pareille. Genre quelqu'un qui se cache. On va faire le tour, on va ramasser des trucs en même temps. Ah, j'ai pas ouvert le wiki. Du coup, je sais pas qui aime les poireaux. Merci Tornek pour le follow. Est-ce qu'on voit bien avec la couleur là? J'ai pas l'impression. Ah. Hop. Sam, les nuages sont magnifiques à cette saison, tu ne trouves pas? Telles des glaces à la vanille flottant sur un ananas de chantilly. Je dois juste avoir faim. Cet ami, il est peut-être noyé sous un pont. Ah, Emily! J'espère que tu respectes l'environnement. L'écosystème de la vallée est fragile. You're goddamn right. Comment je le sais? J'ai un très bon instinct. Elle est trop mignonne. Ah, par contre, je peux pas regarder dans ta bibliothèque. Un peu relou. Attendez, je vais ouvrir le wiki comme ça, je vais vérifier si elle aime bien les poireaux. Attendez, je vais mettre sur pause. Arrête.
Ah non, elle s'en fout. Bien chiant ça. Je go chercher mes céréales. Oh, de ouf, t'as raison. Moi, c'est une barre aux céréales, mais c'est très très bon. Non, mais j'aurais dû ne pas faire ma têtue et. Ouais, ma souris s'est perdue entre les deux écrans. Voilà. J'aurais pas dû faire ma têtue et j'aurais dû prendre le patch et faire la dernière fois. Oh, fouiller les poubelles. Se trouve, on pourrait trouver un jauge à cola. Tout le monde dort le matin, c'est fatigant. Voilà, y a personne. Et y a personne. Où est-ce que je vais trouver tout le monde, moi? Ils sont peut-être chez Pierre. Ouh! Attends, il y a Vincent, là. J'ai faim. Où est maman? Bon, bah... Il est 15h. Est-ce plus le matin? Alors, comme ça, tu t'occupes d'une ferme, hein? Intéressant. Un jour, peut-être, tu m'apprendras comment planter des légumes. Adorable. Je me demande si Pierre voudrait bien me faire... Voudra bien faire à manger ce soir. Qui est-ce qui nous manque? Lewis. Bonjour Lewis. Le salon est très animé le soir. Des fois, on met une petite pièce dans le jukebox. J'aime y aller au moins une fois par semaine pour y prendre des nouvelles. Ok, bro. Ah, y'a Elliot. Salut, Mino. Ah tu vas bien? Oui. Oui, et toi? Non, je veux... Attends. Combien? Non, le sac à dos, il est là. Oh, tellement cher! Je serais ravie d'acheter tous les... Ah, ouais. Ok, ok, ok. Mais je m'en fous, moi, je veux trouver la dernière personne. Salut, Abigail. Tu n'as que ça à me dire, merci. Au pire, regarde dans le journal qui il te manque. C'est pas faux. Mmh, c'est la petite, là. Oh, comment elle s'appelle, elle? C'est Jazz. Je l'avais pas croisée au début. Alors, attendez, on est au printemps là. On est un jeudi. Et on est l'après-midi. Donc, elle joue près du lac. Près du cerisier. Alors, où est-ce que... Où est le cerisier? Très bonne question. Mais ah! Ma souris arrête pas de se perdre entre les deux écrans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voulait passer depuis le début. Après, il est tard, donc je pense que... Winter vous demande si vous accepteriez de faire don au musée des prochains artefacts et minéraux rares que vous trouverez. Compensation sur ça. Ok. Ok. Merci Marfoul pour le follow. Es-tu prête? Ah! Es-tu prête pour l'arrivée de Game of Thrones lundi? Alors, il y a moyen que je puisse pas le regarder parce que je serai en vacances dans une maison de campagne. Du coup, j'ai pas le seum. Non, mais je veux pas verrouiller la souris sur l'écran puisque j'y passe de l'une à l'autre. C'est juste que. C'est juste que j'ai du mal. Il est où déjà le cerisier? Parce qu'on est sur le lac là. Si ça se trouve, c'est pas du tout ce lac là.
Je vais jamais la trouver. Je vous jure. Je suis trop nulle. Au moins, on ramasse des trucs, hein. Faut voir. Ah, c'est de la ciboulette, ça. Comment oses-tu ne pas regarder? Bah, c'est pas que je peux pas. D'habitude, je regarde Day One. Je coupe tous les réseaux sociaux et... Et voilà, pour pas me faire spoiler. Mais là, j'ai juste pas le choix, en fait. Non, mais là, je pense qu'elle est rentrée chez elle. Il est 18h. Une gamine, elle va pas... Ça sert à rien. Comment rejoindre Discord? Il faut se faire un compte Discord. Si tu télécharges... Tu peux rester sur Discord... sur ton navigateur, mais le mieux c'est de télécharger l'application Windows. Jazz, elle vit chez qui? Elle vit chez Marnie. Ouais, donc c'est fermé. Bon, on ira demain. On ira demain, comme ça on aura fini. On aura fini la quête. Salut toi. Ah non, mais attends. Attends, mais sur pause. Sam. Sam. C'est bien Sam, lui. Oui. Qu'est-ce qu'il aime bien? Le mec aime bien les pizzas, mais... Ah, ok, le mec aime rien. Il aime les Joja Cola. Ah, non! Universal Likes. Ils ont modifié leur... Oh non, il aime pas les poireaux, donc non. Ils ont modifié leur wiki ou quoi? C'est pas grave. Ok, bon bah va te faire foutre. Je pense pas que Jazz sera au... sera au bar ce soir, donc bon. Tant pis. Moi, j'aimerais trop pouvoir y aller, là. Pouvoir jouer un peu. Faire du toboggan. Les fibres, ça sert vraiment à rien, c'est chiant. Ok, c'est bon. Hello Pétalux. Bon bah je guess qu'on va rentrer pour ce soir. Ce n'était pas une journée très productive. Mon thé m'appelle. Moi je me suis pas fait de boisson chaude. J'ai bu un cappuccino à la noisette, je crois. Ouais, à la noisette tout à l'heure. Ce qui était très très bon. Si j'ai encore plein d'énergie. Du coup, je vais vendre mes bails. Je sais que j'ai dit qu'il fallait garder et tout. Mais je m'en bats les couilles, j'ai besoin d'argent. Donc voilà. Je garde rien du tout. Au pire, les années tournent en rond, donc c'est pas grave. Est-ce qu'on peut pêcher là-dedans ou est-ce qu'on va trouver que de la merde? Il faudrait pas que je pêche plutôt dans ce lac-là. Dans le lit avec le live matinal et les céréales dans le paradis. Ça doit être trop bien, j'imagine. Moi, je suis debout depuis 8 heures. Dharma m'a réveillée une heure plus tard aujourd'hui. Y a pas de poisson dans ce truc? Ah. Oh, des lunettes. Tant que j'ai pas le truc pour en faire du verre, ça sert à rien. En vrai, je ferais bien peut-être du Overwatch après, je sais pas. Salut Gartas. Oh, bon, on trouve que de la merde là-dedans. Est-ce que je vais trouver au moins un poisson? Avant qu'il soit minuit.
Je suis debout depuis 5 heures, mais la pinède m'a réveillée en donnant des coups dans sa gamelle en fer. Merde. Ouais, c'est Dharma parce qu'elle n'a pas accès à la chambre. Mais hé, hey, j'ai cliqué. Elle n'a pas accès à la chambre et du coup elle miaule. D'habitude elle miaule vers 7h du matin. Et oui, il est possible qu'elle ait miaulé à 7h et que je m'en suis pas rendu compte. Allez! Bon, ok. Rien d'intéressant. Je pensais qu'avec plus de zones d'eau dans une ferme, vu que c'est pas la ferme de base, je pensais que... Je pensais qu'on aurait le droit à des poissons plutôt qu'autre chose, mais bon. Putain, la ciboulette, ça vaut que dalle! Autant les poireaux, ça vaut cher, mais la ciboulette... Du réfort. Attendez, faut que je google ça. Réfort, mais ça ressemble pas du tout à ça. Je connaissais même pas. Mais c'est allongé le réfort, ça ressemble pas à ça. Pas d'accord. Ah si, mais c'est des carottes blanches quoi, mais ça ressemble pas du tout à ça. Je suis choquée, choquée déçue. Je déménage sur mon bureau. Ok. Nous sommes donc jour 5. Première année. Regardons la météo. Il va pleuvoir demain. Ouh, Marnie. Marnie nous rend visite. Salut Louve. Fais attention à toi sur le chemin. Bonjour Bino. Tu vois ce petit chat? Oh, on a le petit chat. On a le petit chat. Je l'ai trouvé à l'entrée de la ferme, on dirait que c'est un chat errant. Pauvre petit bout de chou. Je crois qu'il aime cet endroit. Et tu penses que tu penses pas que cette ferme pourrait accueillir un bon chat? Oui. Voulez-vous adopter ce chat? Oui. On va l'appeler Dharma. Bien, petit Dharma, sois un bon chat avec Bino, d'accord? Oh oui, elle est en train de faire dodo en ce moment. Ça va plutôt bien et toi, Louve? Ah, on a un chat. Oh, adorable. Les chats, ça sert à rien par contre dans le jeu. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. À notre estimée clientèle Joja. Nos équipes ont dégagé le passage obstrué par un glissement de terrain causé par nos opérations de forage près du lac de la montagne. J'aimerais vous rappeler que ces opérations sont parfaitement légales conformément au paragraphe L6 1091 du Joja Co-Amendment. Le respect de l'environnement est notre priorité. Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments causés par cet incident. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas aller à la mine. Comme toujours, nous avons très à cœur votre fidélité et votre support. Maurice, délégué satisfaction clientèle Joja. On va te faire foutre, Maurice. Donc on va vendre tout ça. Hop. On va ranger nos pierres. Hop. Et on va ramasser. Que j'aurais pas gâché un palais par hasard. La
Est-ce que je les vends tous ou pas? Comment on fait pour... Ah voilà, c'est clic droit. Je vais en garder 5. Est-ce que je devrais aller en replanter? Je pense que je vais aller en replanter. On n'est que jour 5. Ouh. Avancement. Atteignez le niveau 1 en agriculture et fabriquez un épouvantail. Robin, la charpentière locale, vit au nord du village. En échange de matières premières et d'argent, elle peut construire de nouveaux bâtiments sur votre ferme. Vous aurez besoin d'elle pour construire un poulailler ou une grange si vous voulez élever des animaux. Exact. Sauf que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas d'argent pour l'instant. Donc là, c'est la gamelle du chat. Est-ce qu'on peut la remplir? Oui, voilà, on peut la remplir. Mais le chat sert strictement à rien, en fait. Hein. Donc, on va aller à la plage, on va aller pêcher. Et voilà. On va juste ramasser tout ce qu'on peut. Hein. Est-ce qu'on peut ouvrir notre inventaire et genre déplacer ça? Voilà. Donc, les journées sont très très rapides, donc on a vraiment très peu de temps pour faire ce qu'on veut en général. Ouh! On a le community center qui ouvre. On aurait dû garder des trucs. Oh, salut, dit le maire. Quelle horreur! C'est le centre communautaire de Pelican Town. Ce qu'il en reste, du moins. Ah, j'oublie qu'il faut que je clique. Avant, c'était la plus grande fierté du village. Débordant toujours d'activité, plutôt. J'ai mis la pause là où il fallait pas. Maintenant, eh bien, regarde. C'est honteux. Ces temps-ci, les jeunes gens préfèrent s'asseoir devant la télévision plutôt que de faire vivre la communauté, hein? Ah, j'ai l'air d'un vieil imbécile. Eh oui. Joja Corporation, m'a harcelé pour que je leur vende le terrain afin qu'ils en fassent un entrepôt. Pelican Town pourrait en tirer de l'argent, mais quelque chose m'empêche de le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques. Enfin bon. Si quelqu'un d'autre achète une adhésion à Joja Corporation, je vendrai le centre communautaire. Ouh, millennials, am I right? Soupir. Bon, allons à l'intérieur. Donc en gros, si nous on s'inscrit chez Joja, comme nous on nous l'avait proposé dans la partie précédente, le centre communautaire n'existera pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le jeu a le cloud? Comment ça? Je suppose que Vincent et Jazz sont venus jouer par ici. Oh, Jazz! Il faut qu'on aille trouver Jazz. Cet endroit est encore plus délabré que je pensais. Oh! Une jolie mot! Trop mignon! Je veux trop une peluche comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Tu as vu quelque chose? Je ne serais pas surpris que cet endroit soit plein de rats. Sauvegarde Simcla. Oui, bien sûr. Tu m'inquiètes, Bino. Bon, je pense que je vais rentrer chez moi, je vais manger. Ok, le mec balance ça et après il se casse pour manger. Dis-moi une peluche des oignons dans Overwatch. Salut Megan. Oh, tu l'as en français? Oui, j'ai installé le patch juste avant du coup. Hey, je vais laisser la porte ouverte à partir d'aujourd'hui. Tu pourras peut-être essayer d'attraper ce rat si tu as le temps.
Je sais plus comment ça s'appelle dans Overwatch. Bizarre. Il faudra que je revienne explorer un peu plus cet endroit. Je le fais un peu rapide parce que je sais déjà où aller, mais bon. Ah, il est tout trop mignon. Donc là, on pige que dalle. Hein. On se retrouve face à un truc où on pige que dalle. Mais il existe quelqu'un qui pourrait le déchiffrer. On va juste essayer de trouver Jazz une bonne fois pour toutes. Oh, l'argile. Alors, où se trouve Jazz un vendredi à 8h50? Je suis désolée, je triche, mais... Enfin, c'est pas vraiment de la triche, c'est un peu dur de s'en sortir sans. On est au printemps. Et on est en vendredi à 9h, elle va au musée. Ok, donc on se dirige vers le musée. Et on aura rempli la quête. Salut Shane, tu n'as pas de travail. Bah non, je bosse pas au Joja Mart comme toi. Hein. Je ne suis pas un vendu. Non, en plus, c'est pas vrai. Il n'a pas le choix, le pauvre. Le temps passe tellement vite. Où est-ce qu'elle est? Montre-toi, Jazz! On est bien au printemps, je suis pas folle. Elle sera pas au bout, non. Personne ne va jamais là-bas. En creusant un peu dans la terre, tu trouveras peut-être quelque chose. Un jour, j'ai trouvé une ancienne pièce de poterie. Je l'ai apportée à Gunther. Il m'a dit qu'elle valait plusieurs milliards. Milliers d'années. Qu'elle avait plusieurs milliers d'années. Je ne sais plus lire. Ah, trop tard, t'es catégorisée comme tricheuse. Mon frère aussi a aussi pris mon ventilo. Je vais lui demander s'il veut pas faire de la noyade synchronisée avec Damien BRB. Non, elle triche pas, elle stocke juste. Exactement. Je veux juste savoir où ils sont. Tu n'es pas honnête envers tes viewers, les Français veulent savoir. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Là, il y a le petit Vincent. Oh non, maman est en train de faire une soupe de lentilles, mais c'est très bon les soupes de lentilles. Où est-ce qu'elle est? Ah! Alléluia! Salut Jazz. Salut. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donner un cadeau à quelqu'un. Ah merde, j'ai que de l'argile. On va pas aller loin avec de l'argile. Est-ce qu'on va trouver quelque chose sur la plage à donner? Quoique les gens sont pas très très fans des... des crustacés et tout ça. Oups. J'aurais peut-être pas dû vendre autant de trucs. C'est pas grave, on va trouver. On va trouver. On va trouver. Salut, Ailey. Ailey vous ignore. Très bien. C'est une très très bonne journée. Ça m'essaye de faire un kickflip. Je suis pas une capitaliste. Est-ce qu'on passerait pas à voir Marnie? Juste pour lui dire bonjour. Salut, comment est le temps? Le soir, tu peux généralement me trouver au bar. Les animaux sont de très bons compagnons. Mais j'ai besoin de passer du temps avec des gens aussi. Je te comprends. Même si les animaux sont peut-être suffisants des fois. Est-ce qu'on ferait pas un peu de ménage ici? Faut que je trouve quelque chose à donner. Une fleur, un truc comme ça.
Est-ce que j'avais prévu autre chose pour aujourd'hui? Oh, allez voir le sorcier. Bon, je me trompe toujours sur comment est-ce qu'on y va. Hein, donc, voilà. Et après, je reste bloquée parce que... compliqué d'y aller. Cet endroit de la map, c'est un vrai labyrinthe. C'est fermé, vous entendez quelqu'un à l'intérieur. Mais non, c'est lui qui est censé m'aider. Peut-être que je suis censée revoir Lewis. On va retourner voir le maire. Je crois que les poissons ne font pas des très très bons cadeaux. Oh, salut. Un champignon commun. Chair d'insecte, une carambole, un fruit très juteux qui pousse en climat chaud et humide, légèrement sucré. L'huile de truc du maïs, tulip, soupe de citrouille. Oh, un fougou. Oh, elle est trop bien la chaise. Tu pourras pas voir le sorcier, faut attendre demain. Mais oui, en plus j'ai vu ton passage sur ça. Oh. Implanter au printemps, placer 5 graines dans un fût pour faire un café. Ah, oh, je savais même pas qu'on pouvait faire du café quoi. Mais j'ai pas assez de thunes. Putain, le carambole c'est beaucoup trop bon, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Ah, mais j'ai plus rien à faire aujourd'hui. On va se faire de la thune en pêchant. J'ai vraiment pas beaucoup de place donc c'est un peu chiant. La pêche, qu'est-ce que c'est chiant dans ce jeu. Je déteste ce système de pêche. Ah, plus il y a toujours un moment où je panique et j'y arrive plus. De bouger, putain de poisson la con. Le café c'est bon bail, t'as 500 000 graines quand t'en cultives, par contre le café c'est pas grand chose. Mais il y a peut-être des gens qui adorent le café. T'as déjà fait du café, Megan? Je me rends compte que les jeux grosse licence me font plus chier que les petits jeux indépendants sur lesquels je passe des jours. Ah, me pareil. Je joue à très peu de jeux grosse licence, quoi. Je joue à très peu de jeux en général, donc. Harvey aime bien le café. Oh. Pour l'instant, on s'en fout de ça. J'ai conquis son cœur avec du café et des cornichons. Putain, mais arrêtez avec l'algue, je m'en fous. Salut Simon. J'ai toujours peur de tomber sur un poisson qui est super dur à attraper. Ah, je peux pas voir. Je peux pas voir. Je peux pas voir la notif. Je reste concentrée. Ok, c'est bon, merci. Tout miso pour le follow. Ok, on a deux harlequins, donc on peut repêcher encore une fois. Pourquoi faire les cornichons? Bah, il y en a, ils adorent les cornichons. Donc autant leur offrir ce qu'ils aiment. Je sais même plus ce que Elliot adore.
Tu vas le demander en mariage avec une onion rings en guise de bague. Mais là, je sais pas. Parce que j'ai déjà pécho Yod dans une autre partie. Mais c'est vraiment mon préféré. Du coup, je sais pas qui pécho cette fois-ci. Arrête de bouger! Quel enfer. Quel enfer. Vous êtes obligé de follow pendant que je fais la pêche. Ah. Je peux pas voir. Merci Képral. Ah. Ah. Ça dure une éternité. Arrête de bouger. J'espère que ça vaut le coup. En plus, il est même pas si dur que ça comme poisson. Franchement, t'as des poissons qui te font au bas tout le temps. Bon, j'arrête. Je déteste la pêche. Je déteste la pêche. Oups, c'est les marnies. Ouh ! Nouvelle donation de Gentil Théo via Twitch. 500 bits, merci. Pêche au moins, Pino. Merci beaucoup, Gentil Théo. Par contre, j'ai pas changé le bruit des alertes. C'est chelou. Ça fait le même bruit. Oh! 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 Non! Oh, jette-moi cette algue. J'ai trouvé un champignon. C'est super rare. Tant qu'on n'a pas la grotte, c'est super rare. D'ailleurs, elle est où la grotte? Elle est là-bas. Que je peux y arriver. Non. Ah. Pour l'instant, il n'y a rien, mais plus tard, on pourra faire pousser des trucs. Et en général, je choisis des champignons. Bon, ma Mori, je la garde, par contre. Ah, mais j'avais des panais à offrir. True that, true that. Je vais vendre mes poissons, par contre. Non, je vais garder... Je sais plus lesquels sont dans le community center. Alors, je vais en garder un de chaque. Voilà. Bino fait pousser des champignons pour sa consommation personnelle. Trop envie d'y rejouer, du coup. En même temps, sinon, c'est les chauves-souris qui chient des fruits. Ouais, on s'en fout. Alors que les champignons, c'est beaucoup mieux. Ça rapporte plus. J'aurais peut-être dû aller racheter des graines. Mais bon, vu que la journée se finit, on va couper des arbres. On va faire un peu de place pour pouvoir mettre un poulailler. C'est notre chat. Il est peut-être à l'intérieur. Tu penses vraiment qu'à te faire de l'argent? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, j'ai des graines. Ouh. Ça sert à rien de les arroser ce soir, mais bon. On le fait quand même. J'oublie ce que j'ai dit, j'ai zéro mémoire, hein. C'est un truc à savoir sur moi, ça. Salut Solo Unicorn, j'avais pas vu. Tu me fais vraiment hésiter à le prendre. Est-ce qu'il est encore en solde sur Steam? Est-ce que, genre, si vous cliquez sur le jeu en bas de mon... Je sais jamais comment ça fonctionne, attendez. Si on clique sur le jeu en bas, est-ce que ça vous, genre... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un moyen de pouvoir l'acheter directement depuis Twitch? Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Les soldes sont finis. Ah merde.
Surtout qu'on peut avoir la serre après, du coup, il vaut mieux prendre les champis. Ouais, c'est vrai. La serre, je l'ai jamais eu, moi. Je m'en foutais un peu. Je trouvais que c'était trop d'entretien, la ferme, en fait. Ouh, des graines encore. On a encore un peu d'énergie. Je ne vois rien. Le Twitch Prime? C'est avec Twitch Prime seulement? Je sais pas, moi, quand je suis passée affiliée, on m'a juste dit « Ah, maintenant, les gens peuvent acheter des jeux à partir de votre page. » Genre quand on y joue, tu vois. Du coup, j'ai pas trop compris. On a pas mal de bois, là. Et c'est ce qui nous manque, c'est du cuivre. C'est un peu chiant. On va faire dodo. On est niveau 1 agriculture. Plus 1 efficacité de l'arrosoir, plus 1 efficacité de la houe. On peut à présent faire un épouvantail et du fertilisant basique. Nice. Niveau 1, pêche. Plus 1 efficacité de la canne à pêche. C'est bien. Et on a gagné 531. Est-ce qu'on a assez pour le... Je crois qu'on a assez pour le sac à dos maintenant. Oh, regardez le petit chat. Il est trop mignon. Oh. Bulletin météo. Aujourd'hui, il pleut. Et demain, il pleuvra aussi. Et on a assez, on a assez. Yes. Mes sources m'informent que vous avez été faire un tour au vieux centre communautaire. Pourquoi ne pas venir me rendre visite? Mon atelier est à l'ouest du lac forestier dans la tour de pierre. J'ai peut-être plus d'infos concernant votre problème de rat. Monsieur Rasmodius, sorcier. Très bien, monsieur Rasmodius. Je vais le vendre celui-là. Je vais juste voir s'il y a des gens qui aiment les panés. Je suis H24 sur le wiki quand je joue à Star du Valais. Pané. Ah, non, merde, j'ai pas les noms en français du coup. Le wiki est en anglais. Georges, le vieux Georges adore ce genre de truc. Oh mince, je vais en prendre un et je vais aller lui offrir. Voilà. Sois gentil avec le vieux Georges. Du coup, j'ai pas besoin d'arroser tout ça parce que bah, il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Rencontrer le magicien. Oui, on va y aller, on va y aller. On va y aller. On va juste aller faire un petit tour à voir Georges. Et lui faire vraiment plaisir, quoi. Ah, j'ai vu le chat. Salut, Zulkis. Ça fait un moment que j'avais pas pu passer par ici. Bah, contente que tu sois là. Une quête. Même si depuis tout à l'heure les quêtes on ne les fait pas. Je cherche quelqu'un pour m'apporter 15 minerais de cuivre pour mieux connaître les minerais locaux. Eh bien, on accepte. Même si on ne sait pas comment on va les avoir. Est-ce que maintenant on peut accéder à la mine? C'est une question. On peut pas tout de suite aller voir. Oh, quel enfer. On va déjà aller voir si la mine est ouverte. Salut Elias. Ah, Eloas. J'espère que je le prononce bien. Ouh. Du coup, un truc qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il est censé ressembler. Yeah, la mine est ouverte. On va faire le... Ouh.
sur Twitch les chaînes recommandées, j'ai que des Asiates qui jouent à LOL. Marlon. Je jetais juste un petit coup d'œil à ces vieilles mines. Elles sont abandonnées depuis des décennies. N'empêche, il doit toujours y avoir du bon minerai en bas. Mais une mine obscure, inactive pendant si longtemps, j'ai peur que ce ne soit pas la seule chose que tu y trouveras. Tu es top 1 du monde sur Stardew Valley. Ben, j'en suis vraiment très contente. Prends ça, tu en auras sûrement besoin. Parce que je suis la seule qui joue. Vous avez obtenu éperrouillé. Moi, c'est Marlon, au fait, je tiens la guilde des aventuriers juste là dehors. Je garde un œil sur toi, prouve ta valeur et j'envisagerai peut-être de t'accepter en tant que membre. Bonsoir Sacha. C'est comme la fois où j'ai été deuxième après Alpha Cast sur Overwatch alors que je fais que du quick play, que je joue comme une merde. On va juste récupérer, je vais pas fouiller la mine pour l'instant. Donc la mine là, c'est le seul endroit où il y a des ennemis. Mais tout ce que je veux, moi, c'est récupérer du cuivre. Donc, je m'en fous un peu du reste. J'ai pas trop envie de me battre. Surtout envie de récupérer du cuivre. Ouh, j'avais raté des follow. Ouh, j'avais raté plein de follow, en fait. Merci, Call Me Nice. Et Al 31, je n'avais pas vu. On n'a pas beaucoup de cuivre pour l'instant, mais bon. C'est normal au début. On va peut-être atteindre le niveau 5, mais ça nous ruinerait la journée. Il faut qu'on aille voir... le papy, et puis qu'on aille voir le sorcier, quoi. Ah, attendez. Voilà. Oh ! Merci Julkis pour le sub. Super gentil, merci à toi. C'est super gentil. Maintenant, tu peux utiliser le prouteur. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu dans le chat, d'ailleurs. On peut mourir. Tu t'évanouis, en fait, si t'as plus de vie. Merci encore, Zulki. C'est super gentil. Bino le prouteur. Oui, il y a un émote. Quand on est affilié, on a le droit à un émote. Et c'est le prouteur. C'est-à-dire... moi de très très près. Un zoom sur ma tête. Ah, oh, je peux même pas ramasser les carottes. Quelle tristesse. Merci Ali pour le follow. Je vais défoncer ce... Je peux même pas rattraper ça. Oh! Je suis nulle pour les combats. Laisse-moi ramasser mon cuivre. Ah, je suis toute lente maintenant. Je vais juste... Hop, on va manger ça. Et on va manger... Tant pis, on va manger ça. Je veux récupérer les carottes, moi. Voilà. Ça, c'est plus important. Merci, On, pour le follow aussi. Je veux des ors. On n'a toujours pas trouvé l'entrée du niveau d'après. Hein.
Ah, elle est là. Ah, on peut pas ramasser l'améthyste. On va acheter. Voilà. Plus important. On est niveau combien là? Niveau 3? On perd toute notre journée là-dedans. Je déteste les mines, hein, vraiment. C'est fou le temps que tu passes là-dedans. Pour rien. Enfin, j'ai pas mon truc pour récupérer quoi. Il y en a tellement là-bas. Vas-y. Allez, meurs. Voilà. Je vais récupérer tout ça et je vais remonter. Combien il a dit qu'il en fallait 15? Non, mais je crois qu'on en a besoin de plus en plus. Pour autre chose. C'est une améthyste qu'on a eu. Bon, allez, après ça, je remonte. Tant pis, on n'arrivera pas au niveau 5. Ce sera pour une prochaine fois. Sortir de la mine. Oula, merci Nephos pour le follow. Et merci aussi pour le follow. Alors attendez, je mets sur pause parce que j'ai du retard dans le chat. Est-ce que j'aurais pas un poil de chat dans la bouche? Si. Parfait, Bino sur Stardew au réveil. Bonne journée à tous. Bonne journée, Nikkev. Je ne peux pas me permettre de l'acheter, je comprends. Et c'est juste qu'il était à 8 euros... Il était à 8 euros pendant un temps. C'est disponible dans le contrat de l'amitié pour seulement 9,99€ par mois. On a accès à l'amitié, mais pour l'option. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ous. Ou c'est un délire total. Ou alors j'ai raté quelque chose. C'est peut-être moi. Il faut que j'aille voir. Donc le papy, ça sert plus à rien qu'on aille le voir, vu que, ben... On a plus qu'on voulait lui donner. On l'a mangé, pour faire de la place. Oh, on a presque plus d'énergie, en tout cas. Non, c'est pas là que je voulais aller. Est-ce qu'on aura le temps d'aller voir le sorcier? Je ne pense pas. On va déjà aller voir Clint. Non, faut aller lui parler comme ça. Tu as apporté les minerais que je t'ai demandé? Excellent! J'aime bien examiner les minerais de la région de temps en temps pour garder un œil sur leur qualité et leur abondance. Laisse-moi voir cela. Je vois. Tu peux les garder, ils sont d'excellente qualité. Et voici ton paiement, comme promis. Hop, merci bien. On va aller acheter notre sac à dos. Maintenant. On va aller voir le sorcier maintenant. Tu
le sorcier. Je mets toujours 3 ans à trouver comment on va le voir, mais... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, il faut genre... Non, c'est pas là maintenant qu'on est censé après. Il y a toujours ce bruit, je sais pas ce que c'est. Le genre de... En une journée, qu'est-ce qu'on est fort. Ah, entre donc. T'as roté Bino? Non, j'ai pas roté, j'ai imité le bruit de d'un truc qu'on entend souvent dans Stardew Valley. Je ne sais pas roter. Je suis Rasmodius, en quête des vérités des arcanes. Médiateur entre physique et éthéré. Maître des sept élémentaires. Gardien du diadème sacré, bref, tu as compris. Et toi, Bino, dont j'ai prédit l'arrivée depuis bien longtemps. Regarde, j'aimerais te montrer quelque chose. Regarde. Tu en as déjà vu un semblable, n'est-ce pas? On fait le même bruit que Dharma. Ils se nomment les Junimos. Des esprits mystérieux. Des esprits mystérieux que cela. Pour une raison qui m'échappe, ils refusent de me parler. Non, je sais pas roter, désolée. J'ai dû roter genre une dizaine de fois dans ma vie. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi ils se sont installés au centre communautaire, mais tu n'as aucune raison d'en avoir peur. Ouf. Là, c'est un ok. Tu as trouvé un parchemin doré écrit dans une langue inconnue. Très intéressant. Reste ici, je vais voir ça moi-même. Je reviens vite. Les sujets qui fâchent malgré le silence des médias. On va appeler Wikileaks. Bonjour, Bino, Dino, Lissek, H, Investigation, avez-vous roté? J'ai trouvé le texte, dit le sorcier. Ce langage est mystérieux, mais je suis parvenue à le déchiffrer. Nous, les Junimos, sommes heureux de vous aider. En retour, nous souhaitons des cadeaux de la vallée. Si vous ne faites qu'un avec la forêt, alors vous verrez la vraie nature de ce parchemin. Choquée, déçue, c'est surtout moi qui suis choquée, déçue. C'est super chiant de pas pouvoir roter. Ne faire qu'un avec la forêt, que veulent-ils dire? Sniff, sniff. Haha. Viens voir. Merci Latbat pour le follow. Je sais pas pourquoi j'ai pas reçu la notif non plus. Peut-être que maintenant on reçoit plus les notifs pour les gens qui s'abonnent via l'appli. C'est peut-être pour ça. Mais tu sais faire comme Eve. C'est-à-dire. Moi je sais roter quand je veux, mais les gens n'aiment pas que je le fasse, alors je suis déçue. Mon chandro. Mon chaudron. J'ai le nez bouché. Mon chaudron bouillonne d'ingrédients provenant de la forêt. Jeune pousse, larve, chapeau d'amanite, tu sens? Là, bois. Laisse l'essence de la forêt imprégner ton corps. Et là, elle est défoncée. De tête, Bino t'a roté dans une vidéo. Oui, exactement. J'étais très très fière que ce soit tombé en... devant la caméra. Là, on est défoncé. Le sorcier, il nous a...
On ressort les tasses. Vous avez acquis le pouvoir magique de la forêt. Vous pouvez désormais déchiffrer les parchemins des Juminos. Nice. Ah. Donner un cadeau à quelqu'un. Il faut fabriquer un éventail. Ok, et un four. On va s'occuper de ça maintenant. On n'a plus beaucoup d'énergie, n'empêche. Est-ce qu'il nous a redonné de l'énergie? On va peut-être passer au centre communautaire, en fait. Où est-ce qu'on fait ça demain? Non, on va faire ça demain. On va construire des trucs ce soir. Oh, le bad trip. Et... c'est chiant. Maintenant, on a plein de place. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Il a mis du GHB dans ta boisson. Je pense pas que c'est ce qui se passe. Enfin, je sais pas, j'en ai jamais... Heureusement, j'en ai jamais eu. Oula, faut que je fasse gaffe à mon énergie. Alors. Alors, on va prendre... On va garder l'améthyste pour la mettre au musée. Hop. On va garder ça. On va ranger ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Et normalement... Et non. Et maintenant, on peut construire un four. Voilà, on va mettre un four là. Et qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? Utilisez votre four pour fondre du cuivre. Il faut un charbon. Merde. J'aurais pas dû le jeter du coup. Et l'épouvantail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du charbon aussi. Très bien. Je suis dans la merde parce que j'ai pas de charbon. Comment on fait? On trouve du charbon déjà? Dans les mines, je guess. On est bien coincé. On va planter. Voilà. Et on va se coucher. Oh, petit chat. Merde. Merde. J'ai frappé mon chat. Quelle horreur. La drogue, c'est mal, mais non. J'avais du charbon dans mon coffre, hein? Merde, je suis con. C'est pas grave, ce sera pour demain. Ah, on n'a pas vendu grand chose là. Pourquoi tu plantes des arbres? Ça pousse déjà tout seul. Bah, pour toujours avoir du bois. On s'en fout. J'ai pas besoin de beaucoup de place pour l'instant. Pourquoi vous jugez mes choix comme ça, hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, la cuisine. Salutations, c'est moi la reine des sauces. Je suis là pour vous apprendre une nouvelle recette alléchante de mon livre de cuisine secret cette semaine, les légumes sautés. Merci Dox pour le follow. Merci Bloodbast. Oui, je pense qu'en fait, je reçois
Je reçois plus que les alertes pour les gens qui sont vraiment devant le stream. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est une recette idéale et saine pour avoir un peu de légumes verts dans votre assiette. Faites revenir les légumes dans un peu d'huile de sésame et assurez-vous d'ajouter du gingembre frais et de l'ail. Maintenant, humez profondément. Oh, que c'est bon. Vous avez appris à cuisiner légumes sautés. Quand on aura une cuisine, on pourra faire ça. Ouais, on se fout de Georges pour l'instant, de toute façon. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais aujourd'hui que je retournerais au centre communautaire? Exactement. Ouh, une fleur. Vous connaissez pas son histoire. On est God can judge. Je fais toujours le tour au cas où il y a des trucs à ramasser. J'ai des fourmis dans les jambes, c'est horrible. Je pense que ça va être du coup le temps pour la pause pipi. Voilà. Oh, heureusement qu'on a gardé les carottes, il nous en faut une. Et une mourie. On peut déjà en mettre 2 sur 5. Une pitaya, une noix de coco, sirop d'érable, ça va mettre un peu plus de temps. Merci Jungmei pour le follow. C'est très gentil. Oh, bah tiens, hop! Une jonquille, un poireau, un pissenlit et un réfort. Ok, ok. Et ça après c'est l'hiver. Matériaux de construction... Ça va être relou à faire. C'est l'automne. Donc il faut d'abord qu'on ramène tout ça. Donc j'aurais dû en garder. Je suis débile. Est-ce que c'est pas l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? En ce dimanche pluvieux. Moi je dis c'est l'anniversaire de quelqu'un. J'essaye de perpétuer l'esprit de la pêche. Je paierai 90G à tout pêcheur amateur qui attrapera 3 spécimens de carpe. Bonne chance, Willy. 3 carpes ? Oh, on accepte, mais 3 carpes, c'est un peu abusé. C'est l'anniversaire de Lewis. Et Lewis, qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il aime, Lewis ? Villager. Lewis. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Il aime beaucoup de nourriture. On peut lui donner que des trucs neutres. Il n'y a pas de trucs qu'il aime beaucoup que j'ai à disposition pour l'instant. C'est con parce qu'il aime bien la recette qu'on vient d'apprendre, mais du coup on n'en a pas. On a préféré se faire de l'argent au début. Merci Wesley Live pour le follow. Est-ce qu'on pourrait lui offrir cette fleur? Bon, il serait un peu content. Allons voir s'il est chez lui. C'est fermé. Ça ouvre dans 10 minutes, et oh. On va attendre. On va attendre devant chez toi, mec. Je donne des coups de pied dans les buissons en attendant. Allez. Hey. Je suis le maire de Pelican Town depuis plus de 20 ans. Personne ne s'est jamais présenté contre moi pour les élections. J'aime à penser que je fais bien mon boulot. J'aime être maire. Eh bien, tiens. C'est ton anniversaire. Oh, un cadeau d'anniversaire. Merci. Ouh, j'ai gagné de la thune en plus en faisant ça.
Où est-ce qu'on trouve les carpes? Il me semble que ça doit être dans ce coin-là. Lewis, c'est moins de métier, quoi. Gentil bino, oui. Oh non, non, non. Ok. Non. Non. Oh, non. Reviens là. Non. Comment vous voulez attraper ces poissons? Sérieusement. C'est n'importe quoi. Avec du skill, oui, mais j'en ai pas, hein? Non, en vrai, avec une meilleure canne à pêche et des accessoires, ce serait plus simple, quoi. Quand ton père t'a amené pêcher, fallait pas lire Harry Potter, t'aurais su dompter les poissons. Ok, je gère. Ok, non, non. Non, mais j'étais dessus! Tout ça pour 90, quoi. Ça rapporte que dalle comme thune. Je suis pas d'accord. À 11h, j'arrête si je trouve pas de carpe. En plus, ça se trouve, c'est même pas l'endroit où je trouve des carpes. J'ai cliqué! En plus, quand ça fait ting, ça clique pas. C'est pas de ma faute. Hein. Je refuse de prendre responsabilité. Ok. C'est pas une carpe. Ce n'est pas une carpe. Très bien. Bon, bah tant pis. Au moins on a un poisson pour le revendre. Pas aller chez Elliot. Il veut pas nous recevoir. Merci la menuiserie mec pour le follow. Merci Licky Toaster pour le follow. On peut pas acheter d'amélioration encore. Ah, on va lui vendre. Ah, quoi que non. Mon attribut. Oh! On peut lui vendre ça. Ça, on en trouvera tout le temps de ça. Garde les poissons. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais lui vendre juste. Juste l'huître et. Et ça, parce que ça, c'est facile à vendre. Enfin, à récupérer. Merci! Ouh! Eyopaer. Je n'arrive pas à dire les pseudos, je suis désolée. C'est pas que je ne sais pas lire, parce que c'est très difficile. Salut Émilie! Il ne pleut jamais au désert, Calico. C'est là que mon ami vit. Qui est-elle? J'aurais aimé lui rendre visite aujourd'hui. On va parler à l'autre connasse. Ma sœur est tellement étrange, je me demande si nous sommes vraiment sœurs. Ok. On va essayer de trouver encore des trucs à ramasser là, parce que.
Et puis demain, on fera les 5 niveaux de la mine. Allez. Soyons fous. Au pire du pire, le centre communautaire, c'est pas... Oh ! Une ciboulette ici. Vous ici ! Ah, je veux dire, le centre communautaire, c'est pas très grave. Si on ne réussit pas la première année, il y a toujours la deuxième année où on peut se rattraper. Avec des nouvelles saisons et tout. Il y a zéro rush dans le jeu. Même pour la quête des carpes, hein, on s'en bat les couilles. Merci. Oula. Je vais attendre de voir lequel s'affiche pour voir... Merci Ilada pour le follow. Et merci Crème de Nuit pour le follow. Y'a rien par ici, hein. On a tout ramassé, c'est un peu chiant. Ah! Ah! Ça, c'est pour le community center. Faudrait que je dégage tout ça là, ça me saoule. J'aimerais pouvoir bouger comme je l'entends. Merci Kotick. Coco pour le follow. Je vais y arriver. Je peux pas encore y aller là-bas. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, même si on n'a pas de thunes? Du lait de chèvre. Easy. La légende raconte que Willy attend toujours ses carpes. Bah Willy, elle ira se faire foutre. Parce que ses carpes, elles sont trop dures à attraper. Merci Young You pour le follow. Soupe de poisson, brochet. Et ben. Merci Bobby pour le follow. Toujours la graine rare, semée en automne. Non, mais quand on sera très très riche, on ira... Ouh, attendez, on va pêcher un peu là. On a encore de l'énergie de toute façon, mais c'est bon. On a 2 jours pour lui attraper ses carpes. Mais je crois que les carpes, ça s'attrape pas ici. Eh ben, on s'amuse. Putain, mais je m'en fous des algues. Je suis sûr c'est au moment où je vais essayer de boire. Je sais qu'il y a des poissons là-dedans. Fais pas genre. T'as déjà essayé de pêcher des poissons légendaires? Oui. C'est super chaud. Non mais c'est une blague. Je sais qu'il y a des poissons dans ce lac, putain. Le stream chill se transforme en stream du sel. Non mais j'ai appuyé! J'ai appuyé!
Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais sauf qu'avec la canne à pêche du début, c'est impossible. Ah! Si t'as pas d'appât, si t'as pas une barre plus longue ou un truc comme ça, c'est là que c'est une vraie décharge de ouf. Ah, on en a un de... avec une étoile. C'est celui-là qu'on va vendre. J'ai vraiment cliqué en plus. Vous voyez ce bruit là? C'est pas le bruit quand j'ai presque plus d'énergie. Hein. Il y a près de ce lac, il y a toujours un bruit. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être juste un bruit d'ambiance, mais il est vraiment chelou. Que le même poisson, c'est fou. Le numéro 1 du gaming, c'est toujours la faute du matériel. Bah oui, la preuve, j'y arrive maintenant. Oh, 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 j'ai de la merde. Bon, bah, on va pas trouver de carpe, hein. Parce que j'imagine que c'est pas là qu'on les trouve. Faudrait que je regarde sur le wiki. Ah non, c'est jamais de ma faute. Attends. Donc, on va récupérer une carotte pour demain. Non, ça on les prend. On en laisse une. Non, attendez. Je sais plus ce que je fais. On va tout ranger d'abord. Alors, ça on va le vendre, on va le jeter quoi. Ça on va le vendre, ça on va le vendre. On en prend deux qu'on va vendre. Ça on va le vendre. Ok, donc on va déjà vendre tout ça. Ah! Je me trompe de touche depuis tout à l'heure. Hop, 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 voilà. Et ensuite, on va se préparer pour demain. Et mettre tout ce qu'il nous faut. Ah non, ça, on l'a pas tout de suite. Hop, voilà. Là, on est prêt pour aller au community center et à la mine demain. Alors... Mais mon PC il fait mal se tourner, Stardew Valley, c'est un jeu trop lourd. Non mais la canne à pêche de base c'est la mort, faut la canne à pêche en fibre de fer minimum pour pêcher décemment. Mais oui, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure et on me dit que je mens. Niveau 2 collecte, plus 1 efficacité de la hache. Nouvelle recette, burger de survie. Donc le journal et le CD ça vaut rien, mais c'est parce qu'on n'a pas encore la machine pour les transformer, donc bon. Ah oui, on avait dit qu'on avait besoin de charbon aussi. Oh, on est déjà à plus de 1000. Oh, il pleut. Froid. Non. Bino, j'aimerais te présenter mes excuses pour mes propos concernant le vieux cottage de ton grand-père quand nous nous sommes rencontrés. C'est une très jolie petite maison. Cependant, tu auras sûrement besoin de plus de place un jour ou l'autre. C'est là que j'interviens. Si tu m'apportes quelques matériaux et un peu d'argent, je peux agrandir ta maison. Le premier agrandissement inclut une cuisine. Tu pourras y préparer toutes les recettes que tu as apprises. Bref, j'espère que tu commences à te sentir chez toi par ici. La charpentière Robin. Mon objectif day 2, c'est passer la pêche level 2 si je peux et acheter la canne qui va bien. Ouais.
Bon, je sais pas, moi j'ai pas vraiment d'objectif. J'y vais avec le flow. Ouh, il y a un truc caché là-bas. Oh, on va pouvoir ramener plein d'autres trucs en fait au community center, c'est génial. Y a rien là-bas. Des trucs dans le coin. Nope. La meuf s'excuse pour ensuite te vendre quelque chose, c'est une excuse purement marketing de ouf. Alors, on va y mettre la carotte. Oh mince, j'ai oublié de prendre la morille. Oh. Oh fuck, ce pissenlit a une étoile, on pourrait le vendre beaucoup plus cher. Bon, tant pis. Paquet complété! Bon, après, j'ai commencé ma sauvegarde deux fois déjà, donc j'ai des bonnes idées. Comment je vais démarrer? Ah, de ouf, mais moi j'ai commencé plein de fois. On a eu des graines printanières. On est jour 8. Est-ce que ça vaut le coup de les planter? Ça dure 28 jours. Je pense qu'on a le temps de les planter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça... Si on va les planter tout de suite, il y a moyen, hein. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. J'ai peur de les gâcher en fait. J'ai le temps, oui. Ok. Je me rappelais plus l'année dernière. Alors, là, on a d'autres trucs. Un panais, un haricot vert, chou-fleur, pomme de terre. Ok. Culture qualité supérieure. Ça, on n'aura pas maintenant, je pense. Ça non plus. Ça, c'est des trucs qui prennent beaucoup plus de temps. Je regarde juste si on peut pas déjà ajouter quelque chose, mais je ne pense pas. Trop mignon! Ok, là, c'est... Les trucs de la mer. Ok. Donc on ira au fur et à mesure. Normalement, moi j'utilise un carnet, genre pour être super organisé de ouf. Je vais aller les planter maintenant pour pas perdre de jours. Ça prend du temps à. Attends, en termes de rentabilité, ça dépend, c'est pour bien monter le niveau de foraging, mais ça prend du temps à arroser tous les jours. Moi, je préfère pêcher, mais j'ai la canne qui va bien. Bah, en fait, c'est juste que j'ai peur d'arriver à la fin du printemps et que du coup, tout meurt. Et d'avoir utilisé les graines pour rien, alors que je pourrais les utiliser l'année d'après. Mais bon, moi, j'aime bien me faire m'occuper de ma petite ferme. Par contre, si des oiseaux pouvaient arrêter de venir me faire chier, ce serait vraiment sympa. Ça, il faut que je construise, mais... plus c'est bien parce qu'il pleut, donc j'ai pas besoin de les arroser. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Dur de deviner où est la hitbox dans le jeu.
On avait dit pour... Pour du charbon et des fibres. Acheter un arbre plus tôt, c'est rentable, je trouve. La mine ramène masse gold quand tu arrives loin. Pour les box, il y a une option pour l'afficher. Ah ouais? Exact. Oh, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. 7 jours. Ouais, mais par contre, j'ai pas du tout assez pour. Je vais aller dans la mine. Attends, je vais vendre ça. J'ai pas du tout assez pour pouvoir m'acheter un arbre. C'est ça que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. J'aurais peut-être dû me faire des petites barres pour dans la mine. Je déteste aller dans la mine. Je déteste me battre. Faut que j'arrête de faire des petites chansons à chaque fois. Salut Frey! Putain, c'est trop bien, du coup, je vois déjà quand tu arrives sur le. sur le stream. Tu ne peux point te cacher. Tellement rare de voir du stream FR sur Stardew Valley, ça me fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Et je tourne en rond là. Hop, let's go dans la mine. Tiens, mes lunettes, elles me font mal aux oreilles cette fois-ci. Big Brother is watching you. Ok, c'est parti. J'aurais dû prendre des trucs pour l'énergie, mais bon. Allez, je vais aller cacher dès que j'ai les escaliers, j'y vais. Ah, voilà. Hop. Allez, meurs. Meurs, meurs. Voilà. Si. Merci. Je peux l'éclater ça ou il faut... Non, ça me demande trop d'énergie. Je suis con. Ah, elle est là. Ah, je suis coincée. Merde. Tant pis. Salut Frey. Nul en combat, c'est un peu le fou. Oh, mais arrête! Lâche-moi, je suis coincée! Putain, insupportable! Quand même le cuivre. Ok.
Niveau combien? Niveau 4. Hop. Niveau développement, le jeu va bientôt avoir une mage où le développeur a stoppé le jeu. Non, il y a toujours des mages. Il va y avoir un multi, ouais. Les mages en ce moment du jeu, elles se font surtout sur la version console. Parce qu'il y a plus de problèmes là-dessus. Normalement, c'était le multiplayer. Je pense pas que ça va être de la compète, non. C'est pas trop le genre de développeur. Par contre, là, je vais plus avoir... je vais plus avoir de quoi trouver. Oh putain, j'ai même pas besoin de chercher, c'est juste là. Ouh, voilà, on peut remonter maintenant. Maintenant, on a l'ascenseur. Dès que tu débloques 5 niveaux, t'as l'ascenseur. Ah, on a une géode à ouvrir. Je pense qu'il risque d'être un peu trop tard. Les fans disent c'est l'été, mais il n'y a rien d'officiel en fait. Bah, c'est juste que Stardew Valley a été annoncé sur Switch pour cet été, si je ne me trompe pas. Et que Eric Baron a bien dit que... que ce serait que le multi serait sur PC avant sur Switch, donc techniquement ça devrait être cet été. Oh putain, c'est fermé. On va aller offrir des fleurs à des gens. Qui c'est qui aime bien les jonquilles? Merci Nopa pour le follow. Voilà. Ok, ils sont pas mal à bien aimer les jonquilles, donc on va aller en offrir. On va aller voir Gus, le patron du bar. Lui, il aime bien. Est-ce que lui, il aime bien? Est-ce qu'Alex aime bien? Alors non, Alex aime pas trop. Je ne te connais pas, pourquoi tu me causes, Shane? Lui non plus, il n'aime pas les fleurs. Va te faire foutre. Or, tellement mal poli. Hey, c'est Lewis. Lewis c'est pas très fan. Ok, il répète toujours la même chose. Léa, les arbres sont très beaux aujourd'hui, tu ne trouves pas? Léa aime bien. Pourquoi es-tu devenue fermière? Ouh, une question. Je vais me faire plein d'argent. C'est plus concret que de vivre en ville. Pour suivre les traces de mon grand-père, je voulais fuir mon ancienne vie. J'ai bien répondu à... Attendez, parce que du coup, ça me fait douter. Il aime personne. Et les fleurs jaunes, tout le monde aime. Non, il y en a qui... Tu sais, t'as like ou neutre. Neutre, ça fera juste genre, ah, oh, merci. Like, ça augmentera un tout petit peu plus quand même. Du coup, Emily, elle aime bien. Et Pam aussi. On va lui en donner une à Pam. Tiens, Pam, t'es bien brave. C'est un super cadeau, mon petit. Merci.
Merci, ce cadeau dégage une énergie positive. Allez, la dernière pour Léa. C'est vraiment un super cadeau. Ah, j'aime trop faire plaisir aux gens. Salut, Gus. Tellement adorable. Salut, Willy. C'est pas un universal like? Ah, bah si. Attendez, je vais vous passer... Par exemple, Jodie, elle déteste ça. T'as pas le jeu en français? T'as le jeu en français? Oui, j'ai mis un patch, du coup. Regarde, là, tu auras la description de qui vraiment aime et qui aime moins. Tu vois, neutre, ça t'apporte rien, neutre. Par contre, like, ça t'apporte quelque chose et love, bah, ça t'apporte encore plus de... Enfin, il t'aime encore plus, quoi, grâce à ça. Harvey, tu as lu des livres sympas à la bibliothèque dernièrement? On se voit plus tard. Le mec qui déteste tout le monde. Ah oui, on peut jouer à des jeux d'arcade, mais je suis vraiment nulle. Salut, Sébastien. Qu'est-ce que tu veux? Bah, sympa. Je suis vraiment bien aimée dans cette ville. Hey, tu prends une pause. Je vais pas me décider tout de suite sur qui je vais pécho. J'ai jamais compris à quoi cette salle servait. Il y a l'air d'avoir quelque chose là. J'ai aucune idée de ce que c'est. Quelqu'un sait? Ou peut-être pas, peut-être qu'il faut pas me dire, peut-être que c'est un spoil pour plus tard. Peut-être que c'est là où je suis jamais allée avant. Oh! Je peux entrer ici. Y'a rien. Ah ok, ça vandalise la taverne. Non, là, il va me dire que je suis pas assez amie. Ah, c'est des mythos, ils font style, on t'aime bien, mais personne voulait danser avec moi au festival. La première année, personne, non. Mais la deuxième année, j'ai pu danser avec Elliot. Oula, elle a failli me voir fouiller dans la poubelle, ça aurait pu être très très gênant. Oh, une annonce. Quelqu'un pourrait m'apporter 25 minutes Q pour les examiner. Allez, on en a 23. Et après, je demande pourquoi elle est mal accueillie. Atteignez le niveau 40 dans la mine. Mais bien sûr. On passe du niveau 5 au niveau 40. Hein. C'est vraiment abusé. Oh, j'ai de quoi ramener tout ça. Ça, on va le garder. Tout ça, on apportera plus tard. Ah, j'en ai deux. Base, ça on va garder, ça on va mettre là. Ok, ok, ok. Ça on va mettre là. Rien à vendre, ouf. Je vais profiter de la nuit pour aller faire une pause pipi.
chat. Joue avec mes cheveux. Tout, tout, tout. Quel petit bébé. En train de me faire ma toilette. Très gentil de sa part. Bon allez. Il a fait ses affaires. Oh là 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 là. Merci Danaïs pour le follow. Danaïs. Merci Limburger pour le follow. Voilà un chat pour 3 follows. Il y en a eu 3 ? J'ai pas vu. Ah oui, merci Sarah aussi pour le follow. Elle était trop mignonne. Elle dormait, mais quand je suis allée faire... quand je suis allée aux toilettes, eh ben, elle m'a suivie. Bon alors, on a gagné 68 G. C'est pas fou pour une journée. Quand il sera adulte et qu'il s'agrippera à tes cheveux, ce sera moins mignon. Mais il s'agrippe pas, elle s'agrippe pas mes cheveux, elle me fait la toilette. Elle trouve que je suis un chat qui est trop sale et du coup elle me le fait pour moi. C'est Robin, je crois savoir qu'il y a un paquet de pierres disséminées dans ta ferme. Si tu as un surplus, tu pourras envisager de me faire construire un puits sur place. Les puits peuvent être placés n'importe où et servent à remplir ton arrosoir. Passe au magasin avec 75 pierres et 1000 G quand tu en auras besoin. Mais ça sert à rien, j'ai de l'eau partout. Je vois que tu as commencé à explorer la mine. Tu as l'esprit d'un aventurier. Je sais de quoi je parle. Si tu élimines 10 slimes, tu auras gagné une place dans ma guilde des aventuriers. Oh, la flemme. Merci Lilol pour le follow. Non! Oh god, je voulais juste revenir sur cet écran. Une graine de gâchée. Malin. Bonjour Naughty Dog. 1000 G le puits, ouais, en plus. C'est vraiment pas rentable. Hein. Alors que j'ai de l'eau partout sur ma ferme. C'est débile. Dans sa tête, t'es un mauvais chaton et elle regrette déjà de t'avoir adopté. Bah au moins, je fais pas pipi... Au moins, je fais pas pipi dans son lit, moi. Ah, salut Starker. J'avais pas vu. Tu te fais laver par ton chat, bah oui, c'est un signe d'affection. Oh, regardez-moi comment elle est étalée là. Voilà, donnons-lui de l'amour. Oh, un écureuil. Là, l'image est terrible. Moi, je fais pas pipi. C'est vrai. Là, je pars en vacances demain. Je sens qu'elle va tellement se venger que je vais revenir à mon appartement. Ça va être que du pipi. Merci Nori pour le follow. Et merci Gamer for Life pour le follow. Oh, des anchois. Où est-ce qu'on trouve des anchois? J'accepte toutes les quêtes, mais ça veut pas dire que je les fais.
Demain, c'est l'anniversaire de Vincent. Je devrais trouver quelque chose pour lui. Moi, je voulais aller voir Gus. Non, c'est Clint. Il a bonjour en même temps. La plage est un endroit sympa pour aller se reposer et bronzer un peu. Tu devrais y aller, sinon tu vas finir toute pâle. Hey, tu veux qu'on aille à la plage, un de ces quatre? T'as un maillot? Putain, comment? Le mec drague. Bon, j'ai faim, à plus. Bon appétit, Tordek. Non, pas aller là. Enfin, quoi que si, il faudra que j'y aille. Si tu veux que j'améliore tes outils, il va falloir... Ok. Et me payer, évidemment. Ok. T'avais pas une quête, toi? Non. Merci, Pim Pacan, pour le follow. Ou Pim Pacan. Pim Pacan. Je préfère, c'est plus mignon. Ouh. Une jacobite. Pardon. Je suis vraiment désolée de rire à ça. Oh mon dieu. J'ai 8 ans, hein. J'ai officiellement 8 ans. Un jojo cola. Merci Ratipong pour le follow. Bombino, par contre, tu me fais hésiter à acheter ce jeu. Mais je pensais vraiment qu'il y avait un lien sous ma chaîne pour acheter directement le jeu. Est-ce que le Joja Cola, ça se donne à quelqu'un? Sam, il adore ça. On va aller voir Sam, on va lui en donner un. Ok? Enfin, déjà qu'on le trouve. Hey, demain, c'est ton anniversaire. Pff, maman a dit que j'ai mangé trop de bonbons aujourd'hui. Bah, c'est peut-être vrai. Hein. C'est pas bon, après, t'auras des... Des caries. Quoi? Rigole. Salut. Ok, elle est débile. Merci Gamepad pour le follow. Dépose tout ce que tu veux vendre dans la grande caisse d'export. Juste à la droite de la maison. Ok. Je suis curieuse de voir quel genre de choses tu y mettras. Elle est encore en train de jouer dans mes rideaux. Merde, j'avais pas fait pause. Oh, on vient de perdre une matinée. C'est vrai que c'est vraiment l'OST qui me donne envie le plus de jouer à Stardew Valley. C'est tellement reposant. J'ai donné un cours à Jazz et Vincent aujourd'hui. Ils ne sont que deux, mais ça fait chaud au cœur de changer la vie de quelqu'un. Oh. Où se trouve Alex? Attendez, je vais lire le chat un peu. Salut Ophaniel. Et un petit monstre qui grimpe. Et de 1. Où est-ce qu'elle est? Non. Hop, elle est déjà repartie. Je viens de lire comment fonctionne la vente de jeux avec Twitch et c'est compatible avec les jeux que Twitch vend. Ah d'accord. Oh, je dois jouer à aucun de leurs jeux alors. Et là tu réponds au vieux, j'y mettrai ton cadavre meurt. En plus dans le jeu la viande se vend cher. Il n'y a pas de viande dans le jeu. Enfin tu peux faire des plats à base de viande mais t'as pas vraiment de viande, tu peux pas tuer les animaux.
C'est à peine de rappeler le chat. C'est pas la peine de rappeler le chat, tout le monde le follow. Non, c'est juste qu'elle était en train de jouer dans les rideaux et elle allait faire tomber ma guitare. Qu'à côté. J'ai voulu manger la vie de quelqu'un. Ça sentait un jeu et j'arrive pas à me décider après The Witcher 3. J'ai pas fait. Chez les grands-parents. Ah oui, c'est vrai qu'il vit... Il vit chez les grands-parents. Je me rappelle plus très bien, j'ai pas joué depuis décembre-janvier, donc... c'est pas cette maison, c'est la maison dessus. Mais ça, non mais c'est pas Alex. Non, Alex c'est celui qui joue de la guitare, donc c'est pas lui. Il est à l'autre maison. Il est là où j'étais en fait. Ou la maison d'à côté, je sais plus. Ah, c'est la maison d'à côté. Ah, il est en train de jouer les guitares. Je peux pas lui parler du coup. Et ben on va attendre qu'il sorte. Parce qu'on a rien d'autre à faire aujourd'hui. La pêche. Faut attraper des... Ouais. Mais 25 minerais cuits, je les ai. Je les ai sur moi, j'en ai 30. Pourquoi il a pas voulu me les prendre tout à l'heure? Ah, il faut les collecter à nouveau. Oh, c'est chiant ça. Le poulailler, ça coûte trop cher. Combien de temps il reste dans sa chambre, lui? Ouais, il faut les collecter. Non, mais oui, j'avais mal lu. Je suis trop le seul. Allez, sors de chez toi. Arrête de faire de la guitare. Le bulletin de Vincent. C, D, B, B, A. C'est pour ça qu'il prend des cours particuliers. J'aime trop le niveau de détail dans ce jeu, c'est trop mignon. Il a une toute petite chambre, Vincent. Allons fouiller la cuisine. Des œufs, du pain, des carottes et du lait. Eh ben, c'est rudimentaire. Ah! Il a fini. Hey! Salut, c'est bon de te revoir, toi aussi. Enfin, ne t'enflamme pas trop non plus, TG. Merci, j'apprécie vraiment. De rien. Merci. Vous pouvez pas prendre des pseudos un peu plus simples, là? Skak Ping Vinek pour le follow. pourquoi je vais par là? Bon, je ne sais pas, on va aller ramasser des trucs encore. Ouh. Non. Dun, 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 dun. Salut. Bonjour voisine. Nous vivons toutes les deux en dehors du village. Est-ce que ça signifie quelque chose? Léa, je peux encore lui donner un cadeau. Hein. Qu'est-ce qu'elle aime, Léa? Madame a des goûts de luxe en tout cas. Merci Camille pour le follow. Camille Sams. Camille Sams. J'essaye de faire des... Oh, elle aime bien. Elle aime bien les dents de lion. Et les daffodils. Alors on va lui donner ça. Tiens. C'est vraiment un super cadeau. Merci. De rien. Léa, c'est ma besta. C'est vrai qu'elle... Oh. C'est vrai qu'elle est super sympa. On va pêcher un peu. Salut, Gueuse! Justement, je me plaignais que tu venais jamais. Putain, ton émote, elle est tellement parfaite. Ah, je me rends compte qu'il y a des trucs écrits dans le... J'ai commencé à écrire dans le chat... Que c'est juste Dharma en fait qui a écrit sur le clavier. Je l'ai séduit avec de la salade.
Non, mais une fois qu'on aura la cuisine, on pourra commencer les choses sérieuses. Je viens tout le temps, je suis juste discret. Oh, bon, remarque, moi aussi, je parle jamais dans tes lives. Parce que j'ai l'impression de d'être ignorée. En même temps, c'est plus compliqué, il y a plus de gens. Par contre, si jamais t'as besoin d'une merci, je me suis améliorée de ouf. Un chevet, on en a pas besoin, ça. Merde. Non, c'est des anchois qu'il faut. Merde, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ça évite les spams au moins, c'est vrai. Je suis la masse silencieuse. Je déteste la pêche. Je regarderai le follow après. Encore ce poisson. Merci Payne pour le follow. Ok. 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 Okay. Je suis pas du tout organisée. Est-ce qu'on ferait pas un peu de ménage sur la... sur la ferme? De toute façon, on n'arrivera jamais à pêcher les anchois pour l'autre là, donc... Moi, j'ai autant faire un peu de ménage. Merci Zapper pour le follow. J'ai hurlé de rire quand j'ai vu le nom de ton emote. C'est le producteur. Les anchois, c'est pas en mer, je pense, si. Mais j'ai la flemme d'y aller. Puis franchement, elle rapporte pas beaucoup ses quêtes. Hein. Ça, je plains quand même les streamers et youtubeurs connus qui, dès qu'ils passent un message sur un chat, se font harceler de toutes parts. Boy. Guess, ouais, c'est chiant. Mais bon, si t'es sur le stream d'un pote, tu... Oh, il y a petite Dharma. Ah, mais c'est une ferme ou une forêt? C'est une ferme, mais t'as plusieurs types de fermes. T'as la ferme ferme, et t'as la ferme qui ressemble à une forêt. Je pense jamais aller là. Alors des fois il y a des trucs à ramasser, comme là. C'est une forme. Exactement. En tout cas, ça va beaucoup mieux au niveau santé que ces derniers jours. Je crois que j'ai enfin trouvé le bon équilibre dans mes médicaments. Et je crois que je stresse plus trop. Ouh, on a des graines là, pour planter des trucs. Merci Zong Zaza pour le follow. On va couper cet arbre. Voilà. Il gêne un peu la vue. On n'a plus rien à mettre. Je me souviens plus ce qu'il faut mettre au... Comme
Community Center. Normalement, j'écris tout dans un classeur, donc je suis calée, mais là... Ah, attendez, il fallait qu'on fasse fondre un bail pour la quête. Merci, Projet X, pour le follow. Non ! Voilà. Une icône sur la droite de l'inventaire. Oh ! Exact. Merci. Merci, merci, merci. Oh. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là. Hein. Ah, donc je vais prendre un panier déjà. Je vais aller... Merci, Kavikrom... Kavikrom Boy. Kavikrom Bois. Le follow. J'ai faim. Je commence à avoir faim. Pourtant, j'ai un truc à manger. Mais du coup, ouais, je suis habituée au truc en anglais, du coup. Donc la chevaine, il n'y a même pas besoin de la garder, quoi. Tout le monde s'en bat les couilles. La chevaine... Je revérifie au cas où, mais je crois bien que tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. C'est le simulateur de ferme le plus bizarre que j'ai vu. J'achète demain. Bah moi, ce que je préfère, c'est pas tant la ferme, c'est vraiment les gens. Tu peux accéder aux quêtes depuis ta maison, Rivage. Bah ouais. Je viens de l'apprendre aussi. Bah, je crois que je l'avais déjà vu une fois, mais que j'avais jamais... Moi j'avais legit un carnet, hein. Je crois que je dois l'avoir encore. Genre j'écrivais tout ce qu'il y a dans le community center et je cochais dès que je l'apportais. On est le 10e jour du printemps sur 28. On a 1500 pièces. On a réussi à faire une barre de cuivre. Merde. Donc techniquement ça je peux le vendre, hein. S'en bat les couilles. À la morille. Je donne. Du coup, il faut qu'on se déplace quand même. Je guess qu'on peut pas juste la mettre là. Oui, non. Okay. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Arlequin. Ah, ça, on peut le vendre. On va les couilles. Merci, Saving, pour le follow. Poisson chat arlequin, donc le arlequin on le garde. Non, je suis désolée, hein. Je prends du temps à faire ça. Je trouve des sturgeons. Ton sardine. Ok, donc en gros on garde que l'arlequin. Et la morille. Voilà, ça on vend.
va avoir un chou-fleur. C'est cool ça. T'as déjà essayé Rimworld? Non. Du tout. Oh, j'ai un petit chat sur les genoux. Viens pas sur le clavier d'Arma. Non. Pas sur le clavier. Ok. C'est parti. Faut lui donner de l'amour. Merde, non. Faut lui donner de l'amour, pas la frapper. Oups. Ah, on n'a pas vu ce que Vincent aimait bien. Son anniversaire. Qu'est-ce que Vincent voudrait comme cadeau d'anniversaire? Où est-ce qu'il est? Et ok. Ah mince, j'aurais pas dû jeter ma... Est-ce qu'on peut récupérer? Non, je crois que c'est trop tard. Si c'est pas le dernier truc que j'ai jeté, on peut pas le récupérer. Fuck! Il faut qu'on trouve Daffodil et Jonquille. Il faut absolument qu'on trouve une jonquille. Please, une petite jonquille. Salut Phil! Tu tapes ça. Merci, Tom, je t'aime. Ah! Je vous jure, je vais pas y arriver. Voilà, alors, on cherche une jonquille. Ce serait vraiment très sympa de trouver une jonquille. Pouvoir l'offrir au petit Vincent? Allez, une petite jonquille. Pour l'instant, pas de jonquille en vue. Salut guys, des bisous. Ah, j'ai oublié de prendre un panier encore. Silimi. Où est-ce que je mets ces putains de morilles? C'est pas là? C'est dans celui d'en bas? Je vais réussir à trouver les morilles. Ah, voilà. Voilà. C'est pas maintenant que tu peux acheter notre manoir, les gueules que tu optimises pour être enfermé. Ah, oh, mais je m'en fiche que ce soit long. Je suis pas là pour finir le jeu en un an. Moi, j'aime bien prendre mon temps. En fait, j'ai l'impression que tout le monde utilise le jeu mal, en fait. Tu fais chier après. C'est pas un jeu où t'es censé faire le plus de rendement possible. Justement, les journées sont courtes pour que t'aies pas le temps de tout faire. Exactement, Phil. Après, tu te fais chier. Moi, je me fais pas chier. Je suis de retour à ma ferme, j'espère trouver une petite fleur. Non. C'est tellement le bordel que ça m'étonnerait que j'en trouve une. Ouais. Rentabilité, efficacité, masse pognon pour plus de rentabilité, vivez. Vivez le capitalisme. C'est tout l'inverse du jeu. Ou en tout cas de la volonté de son créateur. Merci à Axwell pour le follow. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de follow et je me demande si c'est... Oh, une statue de poule. Je
me demande si c'est toujours le truc de l'appli ou si c'est vraiment des gens. Si t'es une vraie personne, manifeste-toi dans le chat. Si t'es fière d'être humain, tape dans tes mains. Où est-ce que je peux trouver une fleur pour le petit Vincent? Ce serait trop dommage de rater son anniversaire. Bon, si je trouve pas de fleurs, on est mal barré, hein. En plus, c'est vraiment utile de l'avoir comme ami à Vincent. Je suis une vraie personne. Cool, merci. Merci Furita pour le follow. Ah, oh, c'est pas la bonne fleur. Bon, je la prends quand même. C'est pissenlit. On veut jonquilles. Des jonquilles. Ouh. Ouh. Nice. Ces boulettes qui poussent comme ça encore. Il y a bien d'autres choses qu'il aime, même si c'est pas un love. Non, là, c'est même pas un love, c'est un like. Il aime pas grand-chose. Il aime ça, enfin, les fleurs et les coconuts. Sauf qu'on peut pas avoir de noix de coco pour l'instant. C'est pour ça que je veux absolument trouver ça. Lui offrir un cadeau neutre, ce serait nul. Je préfère rien lui offrir. Ça fera le même effet. Ça se trouve, j'en ai encore une dans un coffre et j'ai pas fait gaffe. Hey! Bonjour, bonjour. Ah, je peux pas te dire bonjour. On s'est déjà parlé. Oh, il n'a nulle part. Il n'aime pas grand chose, ça, le gosse. Ouais, il est très difficile. Peut-être en fouillant dans les poubelles? Non. Où est-ce que je peux trouver ça? Je crois qu'il n'y en a plus sur la map. Ah! Plein d'enfants. J'ai envie de partir à la recherche d'insectes, mais ma maman s'énerve à chaque fois que je reviens seule. C'est pas un choix facile. Nous n'avons pas d'école ici, mais je fais tout pour donner à Jazz et Vincent une éducation digne. Tous les enfants méritent une chance de réussir, c'est bien. Ok. Pas envie de parler. Oh, oui, oui, oui. C'est son anniversaire aujourd'hui? On a dit que c'était aujourd'hui? Attendez, je me surpose. C'est aujourd'hui. Donnons-lui. Putain, on a vraiment eu de la chance. Tu t'es souvenu de mon anniversaire. C'est attaché. Merci, c'est génial. De rien. Ça me fait grand plaisir. Revictoire de la France sur Overwatch 4-0. Mais GG la France. Eh bien ici, nous aussi on a eu une victoire. On a réussi à trouver une jonquille pour Vincent. On a beaucoup de ciboulettes en tout cas. Il n'y a pas besoin de... Attendez. Il n'y a pas besoin de ciboulette par hasard. Non, forcément. Ce serait trop beau qu'il demande de la ciboulette. Je suis tristesse. On va vendre tout ça.
Oh, follow. Merci Ice pour le follow. Oh, il y a Elliot. Ça va être très dur de pas draguer Elliot. La forêt est un endroit merveilleux. Tu es déjà allée ? Oui. 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 Tu t'es souvenu de mon anniversaire ? Oui. Ouh, un bouquin. Sinon, dans ce jeu, faut se souvenir des dates d'anniversaire des gens. Je suis vraiment dans la mouise. Non, il y a... Il y a une affiche avec tous les calendriers. Merde, j'ai même pas lu ce qui était écrit. Une étoile de mer desséchée. Faudra aller au musée demain, j'ai oublié d'y aller là maintenant. Ah, on peut amener une palourde au centre communautaire aussi si on veut. On va passer un peu de temps sur la plage, tranquillou. Merci, Mourkati. Salut. Les poissons vont et viennent avec les saisons, tu sais. Il y en a même qui ne sortent que lorsqu'il pleut ou pendant la nuit. Dingue. Ah, je crois que je suis à sa place. Pour... Ah, ça va? Je te dérange pas trop? À la plage, vraiment un truc de vegan bobo gauchias, ça, exactement. Oh! Un rang. Tu veux voir ma canne à pêche? Sale bail. J'avoue. La sienne est plus courte. Je veux pas dire. Hein, mais... Merde, merde, j'ai cliqué sans faire exprès. Ils ont appelé ça varek et pas algue. On peut pas pêcher la mouette, non. J'aime tellement le bruit de la mer comme ça. Ça te relaxe avant de... Bien sûr, j'aurai pas le cadeau. Merci Lucien pour le follow. Et merci Varekras pour le follow. Oh, un flétan. C'est pas un peu rare de ouf ça? C'est tellement rare qu'il faut même pas le mettre dans le community center. Non. Non, il sert à rien. Le flétan, il sert à rien. Il me fera de l'argent, quoi, mais... Bon, on va continuer à pêcher un peu encore. Tellement rare que même les gens n'avaient pas prévu que quelqu'un le pêche. Ah! Putain! Quelqu'un a follow! Et du coup... Du coup, j'ai cru que c'était le bruit du jeu. Il y a 3 follow d'un coup. Si vous êtes fiers d'être humain, tapez dans le chat. Faut que je sache si c'est vraiment ça. J'ai failli recliquer. Un hareng. Est-ce que le hareng, il faut le... Non. Non, il n'est pas au community center, le hareng. Tellement de follow, il est où le chat? Il est où le chat? Le chat ou le chat? Je sais pas où est le chat.
probablement en train de manger ou dans sa litière. Avec les mains. Arrête de te foutre de ma gueule, Phil. Ça suffit. On peut pas savoir l'intonation à l'écrit, hein. Le minou. Mais j'ai cliqué. Bon allez, je rentre. Ça me saoule. Fini la pêche pour moi. Je sais pas où aller. Aucune idée. Linus. Qui fouille les poubelles. Grrr. Ces ratons laveurs sont encore revenus sales vermine. Dit Georges. Ah, tu arrives au bon moment, jeune fille. Pourrais-tu rendre service à un vieil homme? Peux-tu aller voir derrière la maison et aller faire peur à ces ratons laveurs? Ils font un boucan pas possible. Merci. Flanque-leur la trouille de leur vie qu'ils ne reviennent plus. Ah, il y a un SDF. Oui. Enfin, c'est... Il n'est pas vraiment SDF, il vit dans une tente. La beauté de l'éclairage de nuit. Oui. C'était moi, je suis désolée. Je trouve beaucoup de bonne nourriture parfaitement comestible dans ces poubelles. Qui sera gaspillée si je ne la prends pas? Tu penses que ce que je fais est mal? Oui, c'est dégoûtant. Non, c'est une honte que la nourriture soit gaspillée. Oui, c'est illégal, c'est la propriété privée de Georges. Non, mais tu devrais trouver un travail et arrêter de profiter des autres. Oui, c'est un ermite, voilà, merci. Je sais pas où elle est en ce moment d'arbre. Non, c'est une honte que la nourriture soit gaspillée. Merci Bino, je savais que tu étais ouverte d'esprit, je pense. Que ce que je fais est bien, je ne fais mal à personne. Exactement. Go lui péter les jambes. Tu peux rentrer, je te promets que je ne fouillerai plus dans la poubelle. Dans la poubelle de Georges. Tu peux aller lui dire que tu as effrayé les ratons laveurs pour de bon. Oh. Il s'est fait prendre. Je sais ce que tu faisais, Linus. Si tu as besoin de nourriture, tu n'as qu'à demander. Personne ne devrait être affamé à Pelican Town. Oh. Merci Singsam pour le follow. Voilà, j'ai un panier de beignets aux courgettes pour toi. N'oublie pas de les tremper dans ma sauce marinara épicée. C'est vraiment adorable. Moi, je continue de fouiller dans les poubelles. Oh, un jauge à cola. Oh, des cookies. En vrai, je m'avais bien. Et les traductions by Bino, c'est fini. 4 slime verts, j'accepte. J'irai dans la mine demain. J'ai pas envie d'aller dans la mine demain. Ok, on n'a rien avant plusieurs jours. C'est sympa à savoir. Phil est tellement bilingue qu'il a pas vu la différence qu'elle a. Oh, il est déjà 13h. Je me suis pas rendu compte que ça faisait autant de temps que je streamais. Donc je pense que je vais m'arrêter là en fait. Et je vais vendre tout ce que j'ai à vendre. Voilà. Et je vais aller me coucher et on va terminer là. Parce que moi j'ai plein de trucs à faire. Je pars demain, donc il va falloir que je fasse
une lessive et le ménage. Et tout ça, tout ça. On a gagné 666G. On aura fait 10 jours. Enfin, un peu moins. On aura fait 7 jours. On aura fait une semaine. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis désolée d'arrêter aussi rapidement, mais je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu l'heure. En tout cas, c'était vachement cool. Ça me fait trop plaisir de me sentir mieux. Par contre, c'est le dernier live avant une semaine. Bon, Bino, tu m'as convaincue, j'achète. Tant mieux. J'espère que tu t'amuseras beaucoup dessus. J'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Je reviens à la fin. Oh mince, Mukiev, je suis désolée. On reprendra, je reviens de vacances le 20. Donc jeudi de la semaine d'après. Donc je pense que le week-end prochain, le 22. Le 22 à 10h, on se donne rendez-vous. Ok Google, quoi faire de sa semaine? C'est long une semaine, oui. Mais je suis pas partie en vacances depuis très très longtemps. Et j'aurais pas internet là-bas, donc... Donc voilà. Je suis désolée. En tout cas, c'était très chill pour un matin. Ouais, il va falloir que j'aille faire mon ménage, faire une lessive, faire ma valise. J'ai pas envie. Je préférerais continuer à streamer. Profite bien de tes vacances alors, vivement que tu reprennes les lives. Merci. Bon bah bonnes vacances. Merci, merci. Oh, vous êtes trop mignons. On te fera un résumé des mèmes de la semaine. Je sens, en plus, j'aurai accès à internet, mais pas beaucoup. Donc je serai pas très très présente sur le Discord, je pense. Donc ça va être un bordel pas possible quand je vais revenir. Enjoy Vino, tu les as bien mérités, merci. Mais une semaine, mais nous pour Ruby et Garek allons nous faire. Oh, c'est trop mignon. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et un bon 14 juillet. J'espère que vous allez aller voir des feux d'artifice ce soir. Et faire des barbecues. Exactement, faire des barbecues. Moi, je vais me baigner à la piscine et faire des barbecues aussi. Et ça va être trop bien. Donc voilà. Hop, très bon week-end à vous. Salut.